Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Relais d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Fête de l'indépendance, colonel Doumbouya a déposé la gerbe des fleurs. Comme chaque célébration de la date anniversaire de la cession de la Guinée à l'indépendance, le président de la transition a procédé donc la matinée de ce lundi 2 octobre 2023 au dépôt de la gerbe des fleurs à la place des Martyrs. C'est aux environs des 10h15 que le président de la transition, accompagné par son épouse et d'une forte délégation, est arrivé à la place des Martyrs pour se permettre à cette... Et pour se prêter à cet exercice, rapporte notre correspondant à travers des notes rapportées. Le premier ministre chef du gouvernement, Dr. Benagoum, le général de brigade Amara Camara, secrétaire général de la présidence, le général Bala Samoura, la gouverneure de la ville de Conakry, sont entre autres les personnalités qui l'accompagnaient. Près du siège de la Fegifoot, où la cérémonie de défilé militaire est prévue, on remarque une forte mobilisation des foules venues prendre part à cette cérémonie. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés et scotiez à votre chaîne préférée de l'information Réveil d'Afrique. Partagez toujours avec vos amis, familles et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici à là, portez-vous toujours très très bien.